Salut tout le monde! Ce matin, je vous montre comment faire un attrape-rêve. Pour faire ça, on a besoin d'un cercle, du coton, du ruban, des plumes, des lettres et perles en bois, des coquillages, dentelle et organza, feutre indélébile, et des outils pour bien travailler, dont une aiguille pour la laine. Voilà comme j'y vais incruster les lettres. Je vais bien coller mon nœud, comme ça je pourrais commencer mon attrape-rêve sans difficulté. Pendant que ma colle est sèche, j'ai coupé 6 mètres de fil, comme ça je suis sûre d'avoir à peu près le tour du cercle. Et pour pas créer des nœuds, je vais faire une pelote avec mes 6 mètres de fil. Faut pas mal de patience parce que le fil il est fin. Vous pouvez faire plusieurs tours en même temps et puis bien recouvrir après. Si j'ai besoin de m'arrêter, on met la pince, ça bloque les fils. Une fois fini les cercles, je vais faire un double nœud. Fais toujours un nœud pour bloquer les fils dans cette partie de l'attrape-rêve. Maintenant, la partie plus difficile est faite. Un petit peu de colle
pour bloquer les fils. Je laisse bien sécher avant de continuer. Quand je commence à me faire mes nœuds, j'essaye de bloquer les fils avec la main pour qu'elles soient bien tendues. La colle derrière, ici. Je vais coller des coquilles sur les plumes. Regardez bien mon mouvement pour fixer la coquille. Hop. Toujours un petit peu de colle. Et je coupe. Et je vais en faire une autre. N'hésitez pas à repasser les rubans s'il y a besoin.
Une fois que les coquilles sont bien attachées à la plume, je vous montre comment coller les fils. On va se servir des perles en bois. Et on laisse bien sécher la colle. Vous pouvez durcir les fils, la pointe du fil, toujours avec de la colle. Ça passe beaucoup plus facilement. Et je vais bloquer les perles aussi. Mon fil avec la plume, il est prêt. Et surtout, il tient bien. Je vais mettre de la dentelle au milieu, comme ça, ça couvrira aussi mon départ du fil. J'y vais rajouter aussi mes plumes. Pour finir, on va rajouter l'organza. J'espère que ces petits tutos ça vous a plu et surtout à bientôt avec Arobi.